sou. S'incline encore dans sa présence de Dieu ce matin. Avant d'écouter la parole, j'aimerais qu'un cœur puisse demander la grâce de Dieu. Que le Seigneur Dieu soit rendu ce matin, que Dieu parle à son cœur, que Dieu te communique sa pensée ce matin, que Dieu se révèle d'une manière particulière ce matin. C'est la parole qui crée, c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui change, c'est la parole qui régénère. Alors ce matin, j'aimerais qu'un cœur s'incline à la présence de Dieu et dit, Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de ta grâce. Parle à mon cœur, prie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Golavasi à tout égleva, Santo qui part. Saint-Esprit de Dieu, seule ta parole transforme, seule ta parole crée. Seule ta parole régénère, seule ta parole communique la vie. Ce matin, je demande que tu parles à un cœur. Je demande que tu parles à un homme. Je demande que ta parole éternelle communique la vie ce matin. Père Dieu de gloire, dispose des cœurs dociles face à ta parole, afin de t'entendre ce matin. Nous sommes à toi.
désirons ta grâce. O guérilla, l'obra d'Aveya Kunde, Ragada Labashai. Un assoiffé de Dieu, on se culte ce matin. Un amoureux de Dieu, on se culte ce matin. Et désire entendre la parole de Dieu. Korababababa, Shanda Rabasoka. Intaliam niam sogodunde wikala ide glovash. Maniam sogundo wikaliam de dongo. Alevo santo miagulia mango. Agagagagagagagagondo ragadalabos. Regedelebo. Kelo sega la basaya. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Donne-moi les langages faciles. Korabashaya. Oliva, Oliva. Alido, Lanso, Miyakulia. Plus de ta grâce ce matin. Plus de ta présence ce matin. Seigneur Dieu, plus de toi, plus de toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Dieu de grâce. Merci Jésus. Je voudrais qu'un cœur puisse acclamer le Saint-Esprit ce matin. Acclame Jésus, acclame Jésus. Merci Seigneur Dieu de ta grâce. Nous rendons des multiples actions de grâce à Dieu pour sa fidélité et sa miséricorde. Afin de nous attirer ce matin dans sa sainte et glorieuse présence, nous bénissons infiniment le nom de l'Éternel. Ce matin, je dis merci à notre Père, Paulin Bombo, notre Père, de par la marque de conscience qu'il a manifestée à notre personne, afin que nous puissions nous tenir du haut de cet autel pour nous communiquer la pensée de Dieu. Ce matin, je dis également merci à Maman Patty, là où elle est, elle nous suit. Je vous dis sincèrement merci, Maman, pour votre confiance manifestée entre personnes. Je bénis, je rends encore suis reconnaissant envers les administrateurs de par leur ordonnancement afin que nous soyons là ce matin pour apporter la parole. Je dis merci à tous les bergers, à tous les prédicateurs. Je bénis encore le Seigneur et je dis merci à nous tous qui sont venus ce matin entendre la parole de l'Éternel. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je veux qu'un corps me dit et puisse encore dire, Seigneur, je suis dans ta présence. Que Dieu soit loué. Presse, permettez-nous de travailler avec un bon sang. J'aimerais que tu puisses saluer ton voisin. Il semble faire froid, mais tu nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes les plus joyeux, car nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur. On peut se saluer mutuellement tout en respectant les gestes barrières. Yes. Alléluia. Nous sommes dans le notre mois de mars. Il y a un thème qui accompagne ce mois. C'est pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée? Et ça, le thème du mois de mars. Et je crois, par la mesure des grâces, nous allons apporter également une pierre à l'édifice et tout ce que le Père a déjà donné. Et ce matin, je crois que l'Éternel Dieu nous fera énormément du bien. Que Dieu soit béni. Sans plus tarder, nous allons lire deux écritures. Nous sommes dans psaume 23. Psaume 23. On va lire la parole du Seigneur. Le thème, c'est « Pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée ?» On aura la parole du Seigneur. La Bible déclare « Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu onduilles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On va lire également Exode 13, 21 à 22.
Exode 13, 21 à 21. La Bible déclare, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colombe de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne s'y retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Parole du Seigneur. On acclame Jésus. On acclame encore Jésus. Yes. Ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur sous le thème « Pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée ?» Je crois que papa a beaucoup parlé autour de ce thème « Pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée ?» Il nous a donné différentes lois afin que nous puissions mettre cela d'application pour parvenir à vivre la destinée que l'Éternel Dieu nous a réservée. Alors ce matin, je suis venu avec un sous-thème. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Je nous rappelle que nous sommes dans une série d'enseignements. C'est une série d'enseignements. Et ce matin, je vais travailler dans toutes les deux casquettes, prédicateur, tout en étant aussi enseignant, afin d'évoluer par la mesure des grâces. Le sous-thème, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, parlant de la présence de Dieu, pourquoi la présence de Dieu comme sous-thème, pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée? Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre une chose, que depuis la création, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, l'Éternel Dieu nous montre une chose, c'est qu'au commencement de toute une vie, c'est Dieu d'abord. Au commencement de ta vie, c'est Dieu d'abord. Au commencement de ta destinée, c'est Dieu d'abord. Donc si tu as besoin de vivre ta destinée, tu dois mettre d'abord Dieu en première position. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et ce matin, je viens nous parler de la présence de Dieu comme sous-thème. Pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous sommes dans Exode 13, la Bible déclare, le peuple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, l'Éternel Dieu était avec eux. Je me relise ce passage dans la version sémère et puis on va comprendre une chose. La Bible déclare, Exode 13 dans la version sémère, l'Éternel marchait à leur tête les jours dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher le jour et la nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu ici s'est trouvée en permanence à la tête du peuple. Quand Dieu délivre un peuple, Dieu s'arrange d'être le conducteur de ce peuple. La Bible nous montre ici que quand Israël a quitté l'Égypte, l'Éternel Dieu s'est révélé à Israël comme étant le guide. Pourquoi? Puisque en désert, ils devaient passer autant de jours afin de parvenir à leur destinée qui était Canaan. Mais une chose, c'est que dans leur marche ou tout au long de leur trajet, il y avait la nuit et les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel connaissant que Israël, le désert, n'est pas sa demeure, mais le désert n'est qu'une traversée, Israël devait marcher jour et nuit. Ainsi, l'Éternel commença à se révéler pendant la journée en colonne de nuée et pendant la nuit en colonne de feu, pour que Israël marche toujours dans le désert afin de parvenir à sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que l'Éternel Dieu s'est révélé et était en permanence au milieu de Dieu afin de les éclairer, de les montrer le chemin pour parvenir à leur destinée. Et ce matin, il y a quelqu'un qui se pose la question, certes, oui, on dit pas, certes, que dois-je faire pour vivre ma destinée? Mais je voudrais te dire une chose, c'est que tu mets d'abord Dieu en première position, que
que tu réalises d'abord que l'Éternel est ton berger, ainsi tu parviendras à ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime une chose ici, c'est que Israël, tout au long de sa marche, les Égyptiens les poursuivaient. Il est arrivé à un temps où Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge. Aujourd'hui, il y a des hommes tout au long de leur marche, ils se retrouvent face à certaines réalités qui leur semblent paradoxales. Peut-être que c'est Dieu qui t'avait dit que commence cette activité, commence cette affaire, commence ce business, mais tu as commencé bien. Tu es arrivé jusqu'en temps, tu vois les choses tourner en rond. Tu vois les choses te présenter une autre allure. Mais laisse-moi te dire, la mer Rouge qui est devant toi sera fendue et Dieu te donnera le chemin. Pourquoi? Puisque l'Éternel Dieu, dans ton sommeil comme dans ton éveil, restera toujours ton berger. Que Dieu soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que Israël se retrouve face à cette adversité de la mer Rouge, il se voit être atteint par les Égyptiens. Mais j'aime une chose, c'est que la Bible nous dit également que la lumière ou la colonne de Noé était devant le peuple afin de lui montrer le chemin. Tout comme la colonne des fées éclairait le peuple afin qu'il marche le jour et nuit. Il y a des hommes qui traversent certains moments favorables et qui marchent puisque tout va bien. C'est parce que c'est pendant la journée. Mais laisse-moi te rassurer ce matin que comme l'Éternel est ton berger, même dans les moments compliqués, même pendant les nuits, il sera là pour t'éclairer afin de vivre le chemin de ta destinée. Que Dieu soit béni. La Bible déclare que la nuée s'est retrouvée au devant du peuple. Mais quand les Égyptiens attaquaient le peuple cette fois-là, la nuée a quitté le devant pour aller derrière le peuple. Et cette nuée s'est révélée en deux faces, dont une part éclairait le camp des Israélites, et d'autre part, ça révélait les ténèbres, le camp des Égyptiens. J'aimerais dire à quelqu'un, quand l'Éternel Dieu prend la position de derrière, c'est la position défensive. Quand l'Éternel Dieu qui te conduisait et à un certain moment tu te trouves à certaines réalités, l'Éternel Dieu prend ta défense afin que l'ennemi qui vient derrière toi ne puisse pas t'atteindre. C'est comme ça que Dieu s'est révélé en deux faces. D'une part la lumière qui éclairait le peuple d'Israël, mais d'une autre part le ténèbre qui frappait le camp des Égyptiens afin que les Égyptiens soient arrêtés ou arrêtent leur marche et qu'ils ne les atteignent pas l'Israël. Que Dieu soit béni. Laisse-moi te dire que le berger a une mission dans la vie de brebis. Le berger apprend trois positions sous la vie de brebis. J'aimerais que quelqu'un ce matin me dise avec moi, l'Éternel est mon berger. Yes, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, pourquoi? Puisque le berger est de trois positions sous la vie de brebis. Quand le berger est devant le brebis, c'est pour tracer les sentiers, le chemin, les montrer les passages par lesquels ils doivent passer afin d'atteindre la destination. Et j'aimerais dire à un homme ce matin, toi qui te laisses abandonner par Dieu, toi qui te consacres à la présence de Dieu, toi qui places Dieu en première position, l'Éternel Dieu va t'ouvrir un chemin afin d'atteindre la destinée de ta vie. Je dis à un homme qui voyait les choses tourner en rond, à ce que l'Éternel est son berger devant de sa vie afin de les conduire. La Bible déclare, la parole est une lumière à mes pieds. Tu es rassuré dans le sentier. Pourquoi? Puisque le berger a déjà foulé ses pieds sous le sentier que tu es en train de passer. La réalité dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec toi.
il y a des gens qui ont vécu la même réalité et Dieu les a rendus victorieux. Alors ce matin, j'aimerais te dire une chose. Puisque l'Éternel est au devant de ta vie, rassure-toi que la marche est bonne. Rassure-toi que tu atteindras ta destinée. Rassure-toi que ce mariage est à toi. Ce business est à toi. Ces affaires vont réussir. Puisque l'Éternel Dieu a commencé par être le chemin. Que Dieu soit béni. La Bible déclare quoi? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as donné ta vie à Christ, tu es entré dans le chemin. Quand tu donnes ta vie en Jésus, le chemin commence. Mais une chose, ta destination, c'est la vie. Mais cependant, tout au cours de ce chemin, tu peux rencontrer l'instabilité. Tu peux rencontrer la fécondité. Tu peux rencontrer le problème. Tu peux rencontrer le chèque. Tout cela ne sont que des réalités. Mais à ce que je sache, Christ est la vérité pour te parvenir à la vie. Alors ce matin, je dis à un homme qui a échoué autrefois de ne pas se fatiguer, puisqu'il y a une vérité qui va le conduire à la vie, puisqu'il y a Christ qui le rendra victorieux pour entrer dans sa destinée. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. L'Éternel Dieu sera avec toi dans les jours comme dans la nuit. Les moments favorables comme les moments défavorables. Ainsi ce matin, j'aimerais te dire la présence de Dieu. Rassure-toi, la présence de Dieu. Que Dieu soit béni. L'Éternel Dieu est un berger. Il prend également la seconde position, c'est le millier. Mais avant que je touche le millier, c'est que l'Éternel Dieu, quand il est derrière, il est dans la défensive. Il défend ta cause. Pourquoi? Puisque l'ennemi ne vient que par derrière. C'est comme ça qu'il y a des temps, quand le berger veut redresser ses brebis, hein, il n'est pas devant, il doit être derrière. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a déjà tracé le chemin. Maintenant, il a pris une position de derrière. C'est comme ça que Israël, pendant qu'il était dans le désert, quittait l'Égypte vers le désert, les Égyptiens poursuivaient Israël. L'Éternel Dieu a pris la position de derrière. En prenant la position de derrière, la lumière n'a pas éclairé les Égyptiens. La lumière a éclairé les camps des Israélites. Mais cependant, la même lumière s'est transformée en ténèbres pour frapper les camps des Égyptiens afin d'arrêter leur marche. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es oppressé, tu es attaqué. Mais une chose, rassure-toi que l'Éternel Dieu sera avec toi. Étant donné qu'il est ton berger, les camps adverses ne t'atteindra pas. Puisque l'Éternel Dieu, il est ta défense. Puisque l'Éternel Dieu, il est ton avocat. Puisque l'Éternel Dieu, il est le soleil de la justice. Et j'entends un homme me dire, pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Le berger prend également la position du millier. Le berger prend la position du millier. Pourquoi les bergers peuvent habiter ensemble avec les brebis? Pour les communiquer sa nature, pour les communiquer sa vie, pour se familiariser encore de plus en plus, pour vivre une certaine communion avec ses brebis. La Bible déclare, les bergers me connaissent et connaissent ma voix. Qu'Éternel Dieu, quand il est au milieu, c'est pour que tu passes du temps avec Dieu, que tu connaisses ton Dieu. Que tu connais ce qu'il est dans ta vie. Tu n'étais pas fort, tu ne craignais pas l'Éternel. Mais quand Dieu se révèle au milieu de ta vie, c'est pour te communiquer la force de craindre Dieu. C'est pour te communiquer la force de la sainteté. C'est pour te communiquer la force de tenir sous la marche. C'est pour t'abréver. C'est pour te restaurer. C'est pour te communiquer sa nature. J'entends un homme me dire, depuis que j'ai commencé la marche avec Dieu, je ne fais que tomber. Je n'arrive pas à me ressaisir. Quand Dieu est avec toi, il te relève, il te donne un coup de
de pouce afin de continuer la marche. Accepte que la présence de Dieu soit avec toi. C'est la plus belle des choses afin que tu atteignes ta destinée. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. En Égypte, c'est l'Égypte nous est présentée comme une nation païenne. Alors que Israël était en Égypte, c'était comme la vie païenne. La vie où tout était permis. Où on pouvait se comporter dans la dépravation. Où on pouvait faire tout ce qui déplaisait à Dieu. Mais j'aime une chose. Quand l'Éternel Dieu s'est placé devant le camp des Égyptiens et devant le camp d'Israël, il y a eu la lumière et les ténèbres. Le Dieu est le Dieu des séparations. L'Éternel Dieu, quand il est entré dans ta vie, il a séparé la lumière et les ténèbres. La vie que tu menais autrefois, étant donné que tu es enfant de Dieu, il y a une nature qui t'est déjà communiquée afin de ne pas retourner encore dans les péchés d'autrefois. J'entends un homme me dire, pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des vies d'autrefois que l'on menait, qui déplaisait à Dieu. Étant donné qu'on a déjà commencé une marche nouvelle avec Dieu, c'est de rester dans la présence de Dieu. Oublie les passés, oublie ces choses d'autrefois. Pourquoi Dieu a mis les ténèbres au milieu? Parce que Israël pouvait regarder et se souvenir des choses de l'Égypte et dire que non, on peut rentrer et servir les Égyptiens et continuer la vie. Mais une chose, c'est que Dieu a déjà mis une séparation. Il y a un homme qui était au bout et qui se disait, je suis lassé, je suis fatigué, je vais abandonner la foi chrétienne. Je viens te dire une chose, l'Éternel Dieu est ton berger, n'abandonne pas la foi, car la destinée est rassurée, car Dieu sera avec toi, car Dieu te conduira. Ne rentre pas dans la vie du péché, ne rentre pas dans la vie de mensonges, dans la vie d'impudicité, dans la vie de vol, ne rentre pas dans cela. Consacre-toi à Dieu, et Dieu va te rassurer le chemin. Que Dieu soit béni. Et ce matin, je parle de la présence de Dieu. Vous allez comprendre qu'une chose, en un temps, l'Éternel Dieu a dit à Moïse de construire l'arche, le temple, le tabernacle. Et après un temps, étant donné qu'ils étaient sous la marche, ils devaient continuer. Mais il y a une chose, c'est que la présence de Dieu continue avec eux. Et je voudrais vous parler de l'alliance ce matin. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Le premier point de ce matin, pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée dans notre sous-thème, la présence de Dieu, c'est l'alliance. Entretenir l'alliance. Savoir entretenir l'alliance te permettra d'atteindre ta destinée ce matin. Que Dieu soit béni. L'Israël, au milieu d'eux, il y avait des Lévites, il y avait des sacrificateurs. Que Dieu soit béni. Les sacrificateurs, c'était eux qui étaient habiles à transporter l'arche de l'alliance. Donc l'arche de l'alliance devait être au milieu d'Israël. Enfin, si vous allez comprendre que chaque fois que l'arche de l'alliance était au milieu du peuple, le peuple remportait la victoire. Le peuple avait de la force. Le peuple possédait notre territoire. Et lorsque l'arche de l'alliance était ôté du milieu du peuple, ce qui suivait, c'était la défaite. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'atteindras jamais ta destinée avec les défaites. Les défaites est venue pourquoi? Puisque à un certain moment, tu as pris l'alliance, à un certain moment tu n'étais pas dans la présence de Dieu, c'est par là que le chèque est arrivé. Mais laisse-moi te dire, quand tu reviens à la présence de Dieu, l'Éternel te rassure. Que Dieu soit béni. L'arche de l'alliance était transportée par des sacrificateurs. Ainsi, même devant Jourdain, vous allez comprendre que pour que Jourdain s'ouvre, il a fallu que le pied des sacrificateurs puisse fouler l'eau du Jourdain. Et c'est les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Et ce matin, je vais nous parler, pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée? Il faut savoir entretenir son alliance. Que Dieu soit béni.
Quelqu'un me dira, moi je ne suis pas sacrificateur, comment dois-je avoir une alliance, comment dois-je vivre? La Bible déclare, Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc nous sommes un royaume et des sacrificateurs. C'est pour cela que nous sommes des cultes ambulants en qui tu as investi son esprit pour porter la présence de Dieu. Que Dieu soit béni. L'alliance, bien aimé dans le Seigneur, que nous dit l'alliance? L'alliance, c'est le point de contact avec le monde spirituel. L'alliance, c'est une porte qui t'introduit dans la relation de l'humain avec le divin. Et ce matin, vous allez comprendre que tous les physiques ne sont que des retombées du monde spirituel. C'est le monde spirituel qui gère le monde physique. Alors, si tu veux atteindre ta destinée, tu dois savoir la porte d'entrée dans le monde spirituel, enfin, d'avoir un certain poids pour pouvoir détecter ou découvrir les desseins de Dieu. Je vous dirais une chose, c'est que l'homme de l'alliance, l'alliance peut te donner accès à découvrir les desseins de Dieu. Pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée? L'alliance peut ouvrir une porte afin d'accéder et à connaître les desseins de Dieu. La Bible déclare, alors que Dieu voulait frapper Sodome et Gomorre, il y a un homme qui avait l'alliance avec Dieu, c'est Abraham. Abraham est à l'alliance avec le Seigneur. Dieu s'est dit, est-ce que cacherai-je cette chose à Abraham? Donc Dieu avait le projet pour Sodome et Gomorre, mais un homme avec qui Dieu avait l'alliance. Ainsi, Dieu s'est dit, cacherai-je une telle chose à Abraham? Non. Pourquoi? Puisque Abraham était dans l'alliance avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu découvriras les choses auxquelles Dieu t'adore. C'est lorsque tu sais entretenir l'alliance avec le Seigneur. Car l'alliance t'amènera à découvrir les promesses de Dieu qui plantent sur ta vie, les projets de Dieu qui plantent sur ta destinée. Et c'est par là que tu sauras que je suis appelé à ça. À ça et à ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Puisque nous sommes partout. Nous voulons tout faire. Mais lorsque tu te découvres, que tu sais, moi, je suis un ingénieur et je dois me parfaire. Et c'est dans ça que Dieu m'attend demain après demain. Ainsi, tu sauras concentrer ou donner toute ton énergie par rapport à cela. Et c'est là qu'on découvre le dessein de Dieu dans l'alliance. Que Dieu soit béni. L'alliance vient résoudre les choses difficiles et compliquées dans la vie d'un homme. L'alliance peut résoudre les choses difficiles dans ta vie. La Bible déclare quand Jacob s'est retrouvé à Luz, appelé Bethel, il a fait un songe où il a vu les anges monter et descendre. Après cela, l'Éternel, je lui ai fait une promesse que je suis l'Éternel, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je te garderai jusqu'à ce que je te ramène, j'accomplirai toutes les promesses jusqu'à ce que je te ramène encore dans ces pays. Jacob a quitté, il est allé chez Laban. Quand Jacob est arrivé chez Laban, il a connu tous ces scénarios que nous connaissons chez Laban. La vie lui est devenue difficile pour quitter la maison de Laban. Mais j'aime une chose, c'est qu'il est arrivé à un certain moment, il s'est appuyé sur l'alliance. Il a dit, si je mise pour moi le Dieu d'Abraham, c'est lui qui crée Isaac, tu m'aurais envoyé à vide. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons un Père qui a une alliance avec Dieu, à laquelle nous sommes attachés, et lorsque les choses semblent devenir compliquées, j'aimerais que tu t'associes à une onction supérieure, afin que l'alliance écrite en ta faveur, pour t'introduire dans ta destinée. Jacob n'était pas appelé à demeurer, à vivre toute sa vie chez Laban, après avoir connu tous ces scénarios. Il devait quitter chez Laban avec tout ce qui lui revenait. Mais cependant, il y avait des forces qui retenaient sa vie. Il y avait des forteresses qui retenaient sa destinée. Beaucoup sont ceux qui sont retenus par certaines forces de ce monde, qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui se battent seul. Lorsque Jacob s'est bâti seul, il n'a pas pu quitter chez Laban. Mais lorsqu'il s'est souvenu de l'alliance, si je mise pour moi le Dieu d'Abraham, c'est lui qui croit Isaac, tu m'aurais renvoyé à
David. Alors j'aimerais dire à un homme, quand tu vois les choses compliquées, j'aimerais que tu fléchisses les genoux, que tu invoques le Dieu d'alliance. On a un Père qui a une alliance avec Dieu, à qui nous sommes attachés. Ainsi ce matin, ne pas l'alliance parfaite, le Seigneur Jésus-Christ à la croix, qui nous a donné toutes choses. J'aimerais qu'un homme puisse vivre sa destinée quand les choses sembleront compliquées. Que Christ s'élève dans ta vie, que Christ t'accompagne et te donne un coup de pouce. La Bible déclare que chaque fois que l'Éternel Dieu se souvenait, il intervenait. L'Éternel Dieu se souvient, il intervient. Ainsi, ce matin, quand tu verras les choses compliquées, j'aimerais que tu m'assises en Saint-Esprit. La Bible déclare quoi? Esaïe, éveille ma mémoire et plaidons ensemble. Éveille ma mémoire et plaidons ensemble, justifie-toi toi-même. Quand Dieu te parle, te dit, éveille ma mémoire, ce n'est pas dit que Dieu a oublié. Non, Dieu n'a pas oublié. Dieu veut seulement se rassurer si tu es conscient des choses qu'il t'avait dites autrefois. Combien sont ces que Dieu a parlé des choses autrefois? Dieu t'a dit tu vas voyager. Dieu t'a dit que tu vas réussir dans cette entreprise. Dieu t'a dit qu'il va te promouvoir. Dieu t'a dit qu'il va t'élever. Il va t'accorder la réussite, l'émergence. Tu vas t'épanouir, tu vas enfanter. Tu auras des enfants. Mais la chose qui t'a vu, c'est paradoxal. Dieu a dit, réveille ma mémoire, appelons ensemble. C'est quand on revient sur les choses que tu nous as dites autrefois et on s'appuie sur l'alliance. Si je nise pour moi le Dieu d'Abraham, tu m'aurais renvoyé à vide. Il y a certaines forces auxquelles tu fais face. C'est parce que tu n'associes pas une onction supérieure. Il faut apprendre à s'associer à des onctions supérieures afin de décanter certaines situations de la vie. Donc l'alliance peut intervenir dans les cas compliqués, décanter la situation. Que Dieu soit béni. L'homme qui a l'alliance peut introduire la vie d'une personne dans sa destinée. L'homme qui a l'alliance peut introduire la vie d'une personne dans sa destinée. Béni dans le Seigneur, nous avons des personnes, Naomi et Ruth. La Bible déclare, Ruth est issu de Moabit. Ruth est issu des hommes qui n'avaient pas l'alliance avec Dieu. Les hommes qui avaient déjà brisé l'alliance depuis longtemps. Une nation maudite. Mais Naomi, elle est juive. Elle est participante à l'alliance abrahamique. L'homme qui a l'alliance peut l'introduire. Si vous lisez Ruth 3, le premier verset, la Bible déclare, Ruth en train de dire, ma belle-fille, repose-toi. Je vais assurer ton repos. Je vais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Naomi s'est portée garant d'assurer le repos de Ruth pour que Ruth soit heureuse, pour que Ruth entre dans sa destinée. Pourquoi? Parce que Naomi était une porteuse de Dieu, avait l'alliance avec le Seigneur et a introduit Ruth dans sa destinée. L'homme qui a l'alliance peut t'introduire dans ta destinée. Alors ce matin, je m'élève du haut de son trône, sous l'alliance de notre Père, je demande à Dieu que Dieu t'introduise dans ta destinée, que tu vives les miracles de Dieu, que tu réussisses dans cette entreprise, que tu réussisses dans tes études, que tu réussisses dans ces mariages, que tu existes dans ton parcours, que nul ne te résiste, que l'Éternel Dieu intervient en ta faveur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. L'alliance peut tout. L'alliance peut t'introduire. Il faut s'associer à cela. Il faut savoir entretenir l'alliance. Dans l'entretien de l'alliance, l'alliance est entretenue par quoi? Par l'intimité avec Dieu. L'alliance est entretenue par l'intimité avec Dieu. Si tu veux atteindre ta destinée, apprends à entretenir l'intimité avec le Seigneur. L'Éternel Dieu est mon berger. L'Éternel Dieu est mon berger. Il y a l'adjectif possessif. Mon berger. Il n'a pas dit l'Éternel est le berger. Non, l'Éternel est mon berger. Donc c'est une façon de s'identifier. Il y a une relation entre la brebis et le berger. L'Éternel Dieu est Dieu. Alors, il faut que l'Éternel Dieu soit ton Dieu. Quand tu dis mon Dieu, il est ton Père. Il y a une relation entre toi et le berger.
C'est là que tu vas entretenir une relation intime avec Dieu. C'est là que tu vas soigner ton alliance. C'est comme ça que Adam, dans le jardin d'Eden, n'a pas su entretenir l'alliance avec Dieu. Il a brisé l'alliance. Et quand il a brisé l'alliance, tout ce qui lui était disposé pour vivre sa destinée, il avait perdu cela. Alors ce matin, j'aimerais qu'un homme rentre encore dans l'intimité avec le Seigneur. Qu'un homme rentre dans la consécration avec Dieu, dans la crainte du Seigneur, dans cette entreprise-là que Dieu est en train de travailler. Il y a des choses qui ne plaisent pas Dieu, mais tu n'es pas appelé à tout faire. Dans l'université, beaucoup sont dans la compromission, mais toi tu n'es pas appelé à aller dans la compromission et briser ton alliance avec le Seigneur. Tu vas hypothéquer ta destinée pour rien. Tu vas hypothéquer ta destinée à cause des points de l'université. Tu vas hypothéquer ta destinée à cause de certains couples qui n'ont pas Dieu. Tu vas hypothéquer ta destinée à cause de certaines relations avec des femmes étrangères. Tu vas hypothéquer ta destinée. Alors je mérite qu'un homme revienne et soigne sa destinée avec Dieu, son intimité. Il faut rentrer dans l'intimité, soigner l'alliance par l'intimité. Que Dieu soit béni. Il faut soigner l'alliance. L'éternel Dieu est mon berger. Saint-Esprit, ne cherche pas à bénéficier les choses que le berger de Dieu entre sa main sans pour autant avoir une relation avec le berger. Beaucoup sont ceux qui viennent à l'église et qui cherchent le mariage, qui cherchent voyage, qui cherchent promotion, qui cherchent maternité, qui cherchent élévation, mais ils n'ont pas une relation avec le Seigneur. Cours derrière le berger, c'est de lui qui te montrera le chemin de ta destinée. Je me dis qu'un cœur puisse abandonner à Dieu, dire que Seigneur, mais voici, la Bible déclare quoi? Tout ce qui contribue à la vie et la piété, nous l'avons au moyen de quoi? Au moyen de la connaissance. La connaissance dont il est question, c'est le mystère de Dieu. Oh, le mystère de Dieu est celui de connaître son Fils qui est Christ. Alors ce matin, je me dis que les hommes connaissent le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, la présence de Dieu dans la vie d'un homme est très importante. La présence de Dieu, que Dieu soit béni, il faut savoir entretenir l'alliance. Une autre chose, l'alliance est entretenue par les autels. L'alliance est entretenue par les sacrifices. L'alliance est entretenue par les autels et par les sacrifices. Beaucoup sont ceux qui cherchent à avoir une alliance avec Dieu, mais ils ne savent pas entretenir cela. Certains tu es dans l'intimité. Dans l'intimité, Dieu va te révéler qu'il faut bâtir les autels. Dieu va te révéler qu'il faut faire des sacrifices afin de maintenir cette alliance. Vous allez comprendre que quand l'Éternel tu as appelé Abraham après avoir quitté sa patrie, quand il est arrivé au Cana, la pleine des choses de faire et de bâtir l'autel et de maintenir l'intimité avec Dieu, il s'est dit que c'est une contrée, c'est un environnement que je ne connais pas. Que faire? C'est bâtir d'abord l'autel. Beaucoup sont ceux qui commencent les affaires sans Dieu. Beaucoup sont ceux qui commencent les études sans Dieu. Beaucoup sont ceux qui commencent les entreprises sans Dieu. Beaucoup sont ceux qui commencent les relations sans Dieu. Mais ce matin, je parle à un cœur qui commence sa vie avec l'Éternel. Quand la Bible déclare, au commencement Dieu créa. Pour que la création commence, il faut que Dieu soit d'abord là. Alors commence par Dieu, ainsi tu atteindras ta destinée. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans notre culture, l'enseignement, une série d'enseignements. Par la mesure des races, on va évoluer. Que Dieu soit béni. Les hôtels. Partout où Abraham est passé, il y a la vie des hôtels. Abraham a bâti les hôtels. Il y a une nouvelle dispensation de grâce qui vient sur toi et tu ne bâtis pas l'hôtel. Tu penses que tu vas maintenir cela? Non. Il y a une nouvelle promotion que Dieu t'accorde au travail. Tu entres dans cette promotion, ça bâtir l'autel. Tu penses que cela va, sera pérennisé. Non, ça ne va pas durer. Il faut savoir bâtir les autels. L'autel est le point de contact. L'autel peut donner du poids à ta prière. L'autel peut donner du poids à ta vie. L'autel peut donner du poids à ta destinée. L'autel peut t'accorder un poids dans le monde spirituel afin de vivre ta destinée. Que Dieu soit béni. Car sous la terre, nous sommes face à beaucoup de réalités. Et tu dois être un homme de plus en plus spirituel pour comprendre ces choses. Que Dieu soit béni. Les sacrifices et les autels. Abraham est allé plus loin jusqu'à sacrifier, jusqu'à vouloir sacrifier son fils. Quelle dimension! Aujourd'hui, combien sont ceux que Dieu dit, j'ai besoin de telles choses.
fais pour moi tel et tel autre sacrifice. Mais on s'est dit, ah, il doit se faire ou pas. On raisonne, devient-on cartésien? Non. Quand Dieu demande une chose, c'est pour notre bien. Est-ce qu'on doit prendre à bâtir ces autels, à bâtir les sacrifices, car les autels vont te réclamer pour vivre l'ascension de ta vie. Vous allez comprendre que c'est l'autel que Abraham a bâti en Canaan, qui a réclamé Israël dans l'esclavagisme, dans la captivité, et a réclamé cela la délivrance. Tu peux vivre ta délivrance au moyen de l'autel, au moyen du sacrifice. Alors apprends à bien faire les sacrifices, à bien bâtir les autels, et prends le sang de cela. Que dois-je faire pour vivre ma destinée? Entretenir l'alliance avec les autels, avec les sacrifices. Et Dieu soit béni. Yes. La deuxième des choses, pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée? Il faut avoir la présence de Dieu. Il faut avoir la présence de Dieu. Il faut avoir la présence de Dieu. D'avoir la présence de Dieu, il faut être patient, avoir la patience. Il faut avoir la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il faut être patient. Pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée? Bien-aimé dans le Seigneur, avant que je touche ces points, il y a une dispensation. Vous allez comprendre quand je parle des autels. Dieu se révèle par les hommes. Et dans l'ancienne alliance, ça s'est passé à plusieurs reprises. Pour que Jacob puisse vivre sa destinée, il a fallu que Jacob reçoive la bénédiction du Père. Or, Jacob ne pouvait recevoir la bénédiction du Père que par le mais, en donnant le mais. Il devait donner pour vivre la bénédiction du Père. L'autel est également une forme d'expression de la foi. Puisque quand Dieu te demande une chose, tu donnes la chose que tu vois pour les choses que tu ne vois pas. Et c'est également la forme de l'alliance. Tu fais des choses que tu vois, mais pour les choses que tu ne vois pas. Que Dieu soit béni. Jacob a présenté la nourriture, le mets au Père, afin de recevoir la bénédiction qui n'était que des paroles, alors que le mets était visible, mais cependant, les paroles qui conditionnaient sa destinée étaient invisibles. Et ce matin, j'aimerais nous dire, il faut savoir bâtir les autels. Et on bâtit les autels devant les hommes par qui Dieu se révèle. Car la Bible déclare, dans Hébreux 12, 2, Christ est le chef et le consommateur de notre foi. Christ est le chef et le consommateur de notre foi. Si Christ est le chef, donc il y a d'autres sur qui Christ est le chef. Donc il y a des porteurs de Dieu dans la société. Alors, sur cette terre, il y a des hommes qui sont utilisés par Dieu. Ils sont des porteurs de l'alliance. Ils sont des porteurs de la présence de Dieu. Ils sont près de ces personnes. Lorsqu'on se connecte à cette dimension nouvelle, à cette onction supérieure, et cela peut nous amener à vivre notre destinée. Saoul est à la recherche des ânes et son père. Mais il est arrivé à un certain moment se poser des questions. Est-ce qu'ici il n'y a pas un homme par qui on peut consulter pour savoir connaître le chemin? Il y a Samuel. Saoul avait déjà la culture qui ne pouvait pas aller voir Samuel. Mais vide, il devait avoir le présent. Alors il a dit, comment allais-je rencontrer l'homme de Dieu, le voyant? C'est lui qui doit parler sur ma destinée, sur la suite de ma vie. Il y a une suite dans ta vie. Bien le Seigneur, il y a une suite pour ta destinée. Mais il y a quelqu'un en qui Dieu place des paroles pour t'éclairer, de décréter une suite de ta vie afin que tu entres dans ta destinée. Et c'est par là qu'il a compris qu'il devait rencontrer l'homme de Dieu. Et quand il s'est trouvé devant l'homme de Dieu, il ne s'est pas retrouvé vite. Il avait des présents. Il l'a présenté pour se connecter à l'alliance de l'homme de Dieu pour vivre sa destinée. Et c'est là qu'il a été roi. Et la vie, l'onction de la royauté. Que Dieu soit béni. Beaucoup sont ceux que Dieu appelle à l'onction de la royauté. Mais vous laissez les hommes de Dieu passer comme ça. Vous laissez des nouvelles dispensations passer comme ça. Vous laissez les hommes de porteurs de Dieu passer comme ça. Alors que Dieu peut te communiquer ne fût-ce qu'une parole qui peut conditionner ta destinée et vivre une chose nouvelle. Alors je voudrais que quelqu'un comprenne le mystère caché dans les autels. Que Dieu soit béni. Sans plus tarder. Il y a une histoire qui me fait bien, c'est dans l'ancienne alliance, mais qui conduit dans la nouvelle alliance. Parlant des rites,
et de Naomi. J'aimerais que nous puissions lire cette écriture. Je suis dans Ruth 1er, 16 à 17. Ruth 1er, 16 à 17. La Bible déclare, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Détourne-toi, détourne loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeuras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa vigueur et si autre chose que la mort vienne et me sépare de toi. Bienvenue dans le Seigneur. J'aime une chose, c'est que dans l'ancienne alliance, beaucoup quand ils allaient vers les hommes par qui Dieu s'est révélé, ils avaient des présents. Mais ici, vous allez comprendre que Ruth n'avait rien. Mais Ruth devait démontrer sa foi, pas dans le présent, mais sa foi qui nous ramène à la nouvelle alliance. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle s'est identifiée au Dieu d'Israël. Une chose encore, qu'est-ce que Ruth a dit? Ne me presse pas de partir. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on s'identifie en Christ, on doit accepter de mourir avec Christ pour vivre. Car on ne peut vivre que celui qui a accepté la mort avec Christ. Il faut accepter de mourir avec Christ, de mourir en Christ pour ressusciter avec Christ. Ainsi, la semence est constatée morte lorsqu'elle n'est pas encore ensevelie. La semence est constatée morte lorsqu'elle n'est pas encore ensevelie. Il suffit seulement d'ensevelir cette semence, d'enterrer cette semence, et vous comprendrez que la semence va germer, la semence va pousser un arbre. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose que Ruth a parlé. Ruth a situé sa géolocalité de sa mort. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. La géolocalité de sa mort. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut mourir en Christ pour ressusciter avec Christ. Car le tombeau est vide. La vie d'autrefois, l'ancien homme ne vit pas, mais l'ancien homme est déjà mort. Et c'est là qu'on est un nouveau homme. Et c'est là qu'on peut vivre le dessein de Dieu sur nos vies. Car l'Éternel est notre berger. Christ a situé sa géolocalité. Quand Naomi a entendu ces choses, ça marquait dans son esprit. C'était une preuve de foi pour Ruth. Il a compris que Ruth a crié au Dieu qu'il n'a jamais vu. Alors que le Moabite était de son et de peuple, était un peuple qui était livré à l'idolâtrie. Mais malgré cela, Ruth a eu la révélation qu'il y a un Dieu vivant en Israël. Il faut que tu reconnaisses le Dieu qui va t'introduire dans ta destinée. Dans cette alliance, il faut que tu t'élis et que tu comprennes que la géolocalité compte beaucoup. Beaucoup sont ceux qui cherchent à être en Christ, mais à être avec Christ sans être en Christ. Il faut mourir en Christ, car la Bible déclare, le tombeau est vide. Car celui qui meurt en Christ va ressusciter. Pourquoi? Puisque le tombeau est vide. Les choses compliquées auxquelles tu fais face ne vont pas t'empêcher de germer, de t'élever au-delà de la miraille, parce que le tombeau est vide. Je vois un homme qui se laisse abandonner par Dieu, comme étant cet arbre qui est auprès d'une source dont ses traces vont au-delà de la miraille. Pourquoi au-delà de la miraille? Parce que le tombeau est vide. Les difficultés ne vont pas t'arrêter. Laisse-moi te dire, les combats seront toujours là. Quand Jacob bénit Joseph, il décrit, dit, la miraille sera là, mais toi tu es un arbre planté auprès d'une source dont ses branches vont au-delà de la miraille. La miraille sera là, mais toi tu vas aller au-delà de la miraille. Les problèmes seront là, mais toi tu vas aller au-delà de ces problèmes. Les difficultés seront là, mais toi tu vas aller au-delà de ces difficultés. Les tombeaux est vides. Il y a quelqu'un qui
pas courir, le tombeau est vide. Les difficultés seront là. La miraille sera là. On n'a pas dit tu iras au-delà sans décrire la miraille. Les combats seront là. L'instabilité peut venir, mais toi tu vas surmonter. Les combats, les fécondités peuvent venir, mais toi tu auras la maternité. Le chômage peut frapper dans ta famille, même chose, c'est que tu auras l'emploi. L'instabilité dans les études peut battre le plat, même chose, tu auras le diplôme. Il dit, mais dira un homme, je dirai un homme. La Bible déclare, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée est ténébreuse. La vallée est ténébreuse. Mais tu es avec moi. Pourquoi? Tu es la lumière. Je ne craindrai aucun mal. Ça veut dire que les ténèbres seront là. Mais toi, tu ne craindras rien. Les problèmes seront là. Mais toi, tu ne craindras rien. Je dis à un homme, s'il y a la vallée, il y a également le sommet. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a l'instabilité, il y a la stabilité. S'il y a la fécondité, il y a la fécondité. S'il y a l'échec, il y a la réussite. S'il y a le tourment, il y a la paix. Je dis à un homme, s'il y a le célibat, il y a également le mariage. Tu atteindras ta destinée. Tu dépasseras les frontières interdites. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la dispensation, pas de l'échelle, où il faut fournir les efforts pour vivre les bénédictions qui sont spirituelles. Nous sommes dans la dispensation de l'ascension. Quand le tombeau est vide, Christ est ressuscité, il est monté au ciel par l'ascension. Et je me dis à un homme, s'il y a la vallée, il y a également les sommets. Il y a également les sommets. Dieu t'attend au sommet. Dans cette affaire que tu t'es engagé, dans ce marché, ça ne va pas faillir. Tu vas y monter. Tu vas aller. Mais sache une chose, les combats seront là, mais ça ne va pas t'engloutir. Les problèmes seront là, mais ça ne va pas te freiner. Car tu vas aller au-delà de la miraille. Au-delà de la miraille. Les branches qui poussent ne pousse que du cep. En toi, il y a une capacité que tu ignores. La Bible déclare, Christ est l'image visible du Dieu invisible. À lui habite corporellement la divinité de Dieu, la présence de Dieu. Il a fait de nous le porteur de son esprit, la présence de Dieu. Les branches ne vont pas sortir de nulle part. Ça va sortir de toi. Ça va sortir de toi. C'est une force cachée en toi. C'est une force cachée en toi. La miraille sera là. Mais toi, tu t'étendras. La Bible déclare, il me conduit vers le vert pâturage. Il me repose sous le vert pâturage. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va t'introduire dans un environnement luxueux, dans un environnement apprécié, dans un environnement où tu vas t'étendre. Il n'y a pas de pâture qui ont des collines. Il n'y a pas de pâture qui ont des montées et des descentes. La pâture est comme la plaine. La pâture, elle est sous le vert pâturage. On présente la verdure. La verdure, dis avec moi, la verdure. La verdure. Il y a une chose, c'est que tu ne vas pas changer la géolocalité. C'est toujours dans cette affaire-là. C'est toujours dans cette relation-là. C'est toujours dans ce business-là que tu vas t'étendre. Quand celui qui est reposé sous la pâture peut manger bien. Quand celui qui est reposé sous la pâture peut s'étendre de tous côtés. L'apôtre Paul déclare, je désire que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est sous la pâture que l'on peut s'étendre de tous côtés. Tous les domaines de ta vie vont prospérer. Je prie et je décrète que tu émerges, que tu prospères, que tu t'étendes, que tu sois élevé, que tu sois placé au sommet des collines éternelles. Tu ne vas pas échouer. Les préparatifs que tu as commencés ne vont pas s'arrêter. Tu vas aboutir, puisque l'Éternel t'attire au sommet.
t'attire au sommet. Il y a une main invisible qui t'accompagne dans ce désert. Il y a une main invisible qui t'accompagne dans la vallée et qui t'attend au sommet. Il t'attend au sommet. L'Éternel Dieu, mon berger, il me conduit vers les eaux paisibles. Vers les eaux paisibles. Tu vas t'abreuver, sois seulement patient. Tu es sous la pâtie. Tu ne peux pas manger tout en étant debout. C'est l'instabilité. Il faut se reposer. Quand tu es reposé, il va te conduire. Te conduire vers les eaux paisibles. C'est celles qui sont calmes. Où tu vas t'abreuver. Tu vas t'abreuver pour restaurer ton âme. Afin d'avoir du tonus dans la marche avec Dieu. Afin d'avoir du tonus dans ta destinée. Afin de parvenir à ce que tu as dit autrefois. Afin de vivre les promesses de Dieu. Dieu va t'accorder cela. Pourquoi tu vas t'abreuver? Car celui qui s'abreuve de cette eau, les fleuves d'eau couleront de toi. Tu seras une source de bénédiction, puisque tu es connecté à l'alliance qui est Christ, qui te communique la sève. Tu es le Sama. Christ le cèpe, reste dans l'intimité, connecté au Sama, connecté au cèpe. Tu vas produire. Tu vas produire quand Christ va te communiquer la sève. La sève, la sève, c'est dans l'intimité. Tu vas te communiquer cela. Tu viens d'en dire, Seigneur, j'ai besoin de toi afin de produire. Je vais entendre un homme dire, Seigneur, j'ai besoin de toi afin de produire. Car la Bible déclare, si le sarment ne produit pas, ça ne sert à rien. Il faut le couper, le jeter. Tu auras l'utilité dans cette société. Dans ce monde, dans ce siècle, c'est lorsque tu engendres, c'est lorsque tu produis, c'est lorsque tu t'étends, c'est lorsque tu émerges. Ainsi, le sarment ne peut produire que lorsque la sève vient du cep. C'est une force qui Dieu t'accompagne en cette saison. Quand tu vas produire les fruits, tu ne vas pas les jurer toi-même. C'est son ton environnement qui jure également de cela. C'est une dimension que Dieu va t'amener dans la plénitude et dans l'abondance. Je demande que Dieu multiplie tes fruits, que Dieu multiplie tes avoirs, que Dieu multiplie ton intelligence, que Dieu multiplie ton activité, que Dieu multiplie, que tu sois une source de bénédiction dans cette société, dans ce monde, dans cette génération. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Yes, Lord. L'alliance. L'alliance fait tout. Attache-toi. Soigne cela. Sois intime de Dieu. Cherche Dieu. Désire Dieu. Entre dans les profondeurs. Entre dans les profondeurs. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Dans les sentiers de la justice. Tu ne peux pas manifester l'intégrité si tu ne t'as pas communiqué sa nature. C'est. Il faut t'abreuver. Ça plaît savoir. Ça brevet que tu peux marcher. Dans le chemin de la justice. Que tu peux arriver à craindre le Seigneur. Que tu peux arriver à refléter la nature de Dieu. C'est un état abreuvé. Un état abreuvé vers les eaux paisibles. Les eaux ne sont paisibles. Ne sont pas dans les tourments. La Bible déclare. Alors que les apôtres étaient dans la même barque avec Christ. Il y a une tempête qui a soufflé. Il y a une tempête qui a soufflé. La barque était menacée. La barque était menacée. La barque était menacée. Et les disciples se sont agités. Ne t'agite pas. Il y a une saison de turbulence dans laquelle tu traverses. Ne t'agite pas. Il y a un problème auquel tu fais face. Tu ne sais pas quoi faire. Ne t'agite pas. Sois patient. Sois patient. L'Éternel Dieu est avec toi. L'Éternel Dieu est ton berger. La Bible déclare, cet enfant est né pour amener, est en signe de contradiction, pour amener la chute et le relèvement de plusieurs. Pour amener la chute et le relèvement de plusieurs. Il y a une contradiction que Dieu va amener afin de te lever pour te placer au sommet des collines éternelles. Les hommes se demanderont comment il a gravi cette montagne. On ne sait pas. Les hommes se demanderont comment il est arrivé à décrocher ses diplômes. On ne sait pas. Nous sommes dans la saison de l'ascension. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui, recevoir un appel. Et d'un coup, il commence un boulot. Il change de statut. Et je le déclare, sous la vie de quelqu'un ce matin, au nom de Jésus, reçois cette mesure de grâce. Quelqu'un peut prévoir un mariage. Le mois prochain, le mois de juin.
Et dans 2 mois, il peut organiser et finir cela. On se pose des questions. Comment il a fait? Nous sommes dans la dispensation de l'ascension. 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 Il y a une bénédiction que Dieu relâche sur l'église. Il y a une bénédiction que Dieu relâche sur le peuple. Et je décrète et déclare que Dieu relâche la bénédiction d'être attiré dans les autels. Merci Saint-Esprit. L'éternel Dieu est bon. L'éternel Dieu est bon. Je parlais sur le deuxième point. Il faut avoir la patience. Tu es sous la pâture. Tu sais bien que Dieu est là. Tu vois bien que l'environnement est là. Conduis, laisse-toi conduire. La Bible déclare, quand j'étais jeune, je me dirigeais où je voulais. Je me dirigeais où mon cœur voulait m'amener. Mais quand tu seras vieille, quelqu'un d'autre te scindra et te conduira là où tu ne voudras pas. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par Dieu. Tu atteindras ta destinée. Tu vivras ta vie. Car la Bible déclare que Christ est l'architecte de notre destin. Il est l'architecte. Donc il a déjà construit tout. Il faut juste se laisser. Ainsi tu parviendras à la vie que Dieu t'a dite. Que un homme dit Amen. Que un homme dit Amen. Avoir de la patience. Dans les jardins d'Éden, ce qui avait manqué à l'homme, c'était la patience. Quand Dieu a parlé à l'homme, ne mange pas de ces fruits, mangez le reste, mais ne mange pas ça. C'est que l'homme a manqué la patience. L'homme s'est précipité, la femme est allée, il a touché, il a mangé, ils ont mangé. Et ce qui était défendu, ils ont brisé l'alliance. Ils ont brisé l'alliance. Qui les garantissait tout ce que les jardins présentaient, ils ont brisé l'alliance. Mais j'aime une chose, c'est quand ils ont brisé l'alliance, la Bible déclare dans Psaume 11, 3, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Quand les fondements, ce qui fait de toi la force, sont renversés, le juste que fera-t-il? La Bible déclare, le juste vivra par la foi. Est-ce qu'un homme qui croit en Dieu, qui croit la capacité de Dieu, qui croit la restauration de Dieu, qui croit la grandeur de Dieu, qui croit ce que Dieu peut t'élever, Dieu peut te placer au sommet, Dieu peut t'accorder les désirs de ton cœur. Le juste, que fera-t-il? C'est l'homme qui croit en Dieu et qui croit aux œuvres de Dieu. Le fondement est renversé. L'intimité est brisée. Tu te poses la question, serais-je restauré? Est-ce que deviendrai-je un homme important dans la société? Est-ce que deviendrai-je un homme important dans la vie? Le fondement est renversé. L'intimité est brisée. Il y a quelqu'un qui comptait sur son père pour devenir un homme important. Le père est parti. Tu es resté seul. Deviendra-t-il un homme important dans la société? Le fondement, ce qui soutenait ta vie, est par terre. Mais une chose, la Bible n'a pas dit, un homme que fera-t-il? Le juste que fera-t-il? L'homme de droiture que fera-t-il? C'est un homme qui revient à croire en Dieu, qui reçoit la nature de la justice, qui peut relever les fondements qui ont été renversés. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Adam a brisé l'alliance. Et nous avons, le monde a empathy, parce que l'alliance a été brisée. Je sais qu'un homme, Dieu va lui donner la force de maintenir l'alliance. Et en étant patient, la Bible déclare, aucune tentation ne vous est survenue sans qu'elle soit humaine. Et votre Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Donc en toi, il y a une force cachée que tu peux révéler, que tu peux manifester pour maintenir l'alliance. Sois patient, Dieu va te bénir. Je voudrais que tu dises à ton voisin, sois patient. Sois patient. Une chose, le diable a vaincu l'homme par quoi? Le diable a vaincu l'homme par le manger. Le diable a vaincu l'homme par le manger. Bien-aimé, tu manges quoi? Tu manges où? Tu manges comment? Tu manges avec qui? Le diable a vaincu l'homme par le manger. J'en cherche à manger que le diable a vaincu l'homme. Mais qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Tu es exposé à quelle nourriture? Bien aimé dans le Seigneur,
L'oreille dans le monde spirituel est une porte. Elle peut être considérée comme étant une porte. Qu'est-ce qui tombe dans tes oreilles? Qu'est-ce que tu consommes dans l'environnement dans lequel tu es? Quelles sont les choses que tu entends? Il y a des choses que tu entends qui te découragent. Tu abandonnes la marche. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu consommes? C'est par le manger que le diable a vaincu. Si le diable veut vaincre ta destinée, je serai mettre autour de toi les hommes qui vont te désorienter du chemin du berger. Si je parle à quelqu'un ce matin, lorsque le diable veut éloigner, veut briser ta destinée, il va mettre autour de toi les hommes qui te disposeront une nourriture que tu vas consommer et qui te sera toxique pour hypothéquer ta destinée. Il faut contrôler de quoi tu manges. Les hommes spirituels ne mangent pas quoi que ce soit. Les hommes spirituels ne mangent pas partout. Les hommes spirituels ne mangent pas partout. Ne mangent pas n'importe où. Tu peux manger. Vous connaissez l'histoire du jeune prophète. Après avoir mangé, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Sa destinée a pris fin. Mais dans le Seigneur, il faut savoir contrôler ces portes spirituelles. L'œil est une porte, la bouche est une porte, l'oreille est une porte spirituelle. Qu'est-ce que tu consommes? Mais j'aime encore une chose. Si le diable a vaincu l'homme par le manger, Christ également est venu. Que Dieu soit béni. Christ est venu, Christ est venu. Il y a une chose, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec toi. Sa roulette est au bâton, te rassure. Il y a une chose, c'est qu'il dresse une table. Je parle à quelqu'un. Christ est en train de dresser une table. Christ dresse une table en face des adversaires. Les ennemis seront toujours là. Mais une chose, c'est que Christ va dresser une table. Ne dis pas que je suis trop combattu. Je suis trop oppressé. Je suis trop attaqué. Ces ennemis seront toujours là. Mais une chose, que Christ va dresser une table. Quand Christ dresse une table, qu'est-ce que tu t'attends pas à la suite, si ce n'est être servi? C'est à la table du roi que les faiblesses de Mephibosheth ont été cachées. C'est à la table du roi où tes faiblesses sont cachées. Parfois tu te dis que je ne mérite pas cette destinée. Dieu me dit tu seras un grand homme, un homme important, un entrepreneur, un voyant, un homme puissant, un homme fort. Tu te poses des questions. Est-ce que tel que je suis là, serais-je cet homme? Ce sont des faiblesses d'aujourd'hui qui te font croire que tu ne seras pas cet homme. Il faut croire. Pourquoi? Puisque quand Dieu trace une table, il y a des faiblesses qui sont cachées. Sur la table, il y a une scène qui se passe. Il y a des bienfaits spirituels que Dieu te prépare sur la table. C'est l'autel. C'est l'autel. La table, c'est l'autel. C'est l'autel du jugement, parce que les ennemis cherchent à t'attaquer. La Bible déclare que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 tombent à ma droite. Tu ne seras pas atteinte. Pourquoi? Parce qu'il y a une table qui est là. Tu ne seras pas atteinte parce qu'il y a une table qui est là. Il y a un autel qui est là. Il y a une alliance qui est là. Qui fera en sorte que malgré le combat, tu ne seras pas renversé. Malgré les problèmes, tu ne seras pas submergé par cette eau. La barque peut être agitée, mais tu ne seras pas submergé. Dieu va t'amener à la vie de l'autre bord. Dieu va t'amener à la vie de l'autre bord. Que Dieu soit béni. La table, c'est quoi? Quand Dieu dresse la table, il veut te servir. Et si quelqu'un est prêt à être servi par Dieu? Et si quelqu'un est prêt à vivre sa destinée? Est-ce que quelqu'un est prêt à être intronisé dans sa destinée? Est-ce que quelqu'un est prêt à vivre ses voyages qu'il a attendus pendant longtemps? Est-ce que quelqu'un est prêt à réussir dans ses études dont il a échoué autant de fois? Est-ce que quelqu'un est prêt à décrocher ses diplômes de master et doctorat? Est-ce que quelqu'un est prêt à devenir déchet dans cette société? Est-ce que quelqu'un est prêt à travailler dans le gouvernement de cette nation? Est-ce que quelqu'un peut? La table est déjà tracée. La table est déjà tracée. Que le monde ne te présente pas une réalité contraire. Quoi la vérité? Ainsi la vérité soumet toujours, assujettit toujours la réalité. Que Dieu soit béni. J'entends un homme me dire amen.
J'entends une destinée me dire amen. J'entends un homme dire que j'y parviendrai. J'y parviendrai. Malgré les combats, j'y parviendrai. Tu vivras ta destinée. Toi qui n'as pas encore engendré enfanté jusque-là, tu es ce que c'est par la stérilité. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Il y a des gens sur qui nous avons déclaré qu'ils ont reçu les enfants. Il y a des gens dont les enfants ont changé de position dans leur ventre. On a déclaré le même jour la foi a repris sa bonne position. Le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Il y a deux gens qui se sont retrouvés dans des couacs. Mais un ouin s'est levé. Il a parlé. Et les choses se sont décantées. Et ce matin, je viens décanter au problème de ta vie. Que Dieu fraye un chemin. La Bible déclare, malgré la mer rouge, le chemin a été tracé. La mer s'est fendue. Que la mer de ta destinée soit fendue ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, devant les rochers, les plus durs, l'éternel Dieu est capable de les fendre et de te donner de l'eau. La Bible déclare, Samson, après avoir vaincu les Philistins, blessé par la soif. Père, je t'ai servi. Je fais telle et autre chose. Dois-je mourir de cette manière? Non. Je bâtis tel hôtel, je bâtis tel sacrifice, dois-je mourir? Non, pressé par la soif, invoque l'éternel, pressé par la soif, la présence de Dieu. La présence de Dieu peut presser le mire. L'homme est un esprit. Or, on n'imite pas un esprit. Un esprit peut traverser le mire. Je suis un esprit. Un esprit est capable de prendre le dossier qui a été retardé pour ton embauche, pour ta promotion, afin de te promouvoir. Un esprit, là où tes pieds ne peuvent pas arriver, l'esprit est là, il peut y arriver. La présence de Dieu les assoiffer de la profondeur de l'intimité avec Dieu peut activer une saison nouvelle. En réalité, un homme, c'est l'esprit. En réalité, un homme, c'est l'esprit. Est-ce qu'un homme se réalise qu'il est un esprit dans cette génération? Qu'il est un esprit pour conquérir et compter? Korabashaya. Est-ce qu'un homme se réalise? La Bible déclare, vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Les bénédictions sont comment? Spirituelles. Toi qui es dans la vallée, tu es dans ta au sommet. Les bénédictions sont comment? Spirituelles. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu ne peux avoir accès aux bénédictions spirituelles que lorsque tu montes. La Bible déclare, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous au sens d'en haut, parce que les bénédictions spirituelles, ta vie est cachée en Christ Jésus. Tu ne peux te découvrir que lorsque tu montes. Monte ici, monte ici, je te ferai voir. Monte ici, je te verrai voir. Ce que tu vois, tu le possèdes. Ce que tu vois est à toi. Ce que tu vois, tu peux l'avoir. Et ce matin, la présence de Dieu, la salle où sommes debout, on va chercher Dieu. La présence de Dieu, est-ce que l'on peut prier? Commencer à désirer la présence de Dieu dans sa vie. C'est Dieu, c'est Dieu. Les uns ont leur char, d'autres leur chevaux. Nous n'avons que l'éternel. Nous n'avons que l'éternel. Prie le Seigneur. Cherche Dieu. Cherche Dieu. La soif des amoureux. Les hommes qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Que la bâcheya. Kokoko sakayabaya. Senelevas, Interia Maria Dondo, Ekatura Machida, Maracatana Balia Donsa, Ikela Babababos, Bretalia Curia Hulacondo, Ateria, 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 Teso.
Jean cherche Dieu. Prie le Seigneur. Tu n'as que Dieu. Tu n'as que Dieu. Tu n'as que Dieu. La présence de Dieu, l'alliance avec Dieu, l'intimité avec Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la présence du Seigneur. Karabashata, l'église de Yassa, la présence de Dieu. Yes, yes, yes. Il y a une notion bizarre ce matin. Cherche les profondeurs de la présence de Dieu. Désire le Seigneur. Invoque l'Éternel. On a la Seva. Et on saya. Tu n'as que Dieu. Tu ne peux émerger qu'avec Dieu. Tu ne peux influencer qu'avec Dieu. Tu ne peux t'étendre avec Dieu. Cherche le Seigneur. Korabashia, la présence de Dieu. Et Kaya, oh Karabasata, Rabababashia. Et la race Conde Ragadali Yamanzo Indero Govando Andeligezo Gudunde Wigova Yag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 os Intelizumi Santoli Namzoko Conde Miyamna Lagadawongo Iyambe Zumbre di Gazovas Iyakatova Katova Katova Intelindre Ligrevas Iyakag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 
Dieu. Les assoiffés de Dieu. Ratovash, Radala Bashai, la sauverie crevasse, Antelia, 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 l'Antoroboshaka, soyez saisi par la puissance de Dieu, soyez saisi par la puissance de l'Esprit, chantez d'une autre manière, chantez d'une autre manière, que Dieu vous aide, que Dieu vous aide, que Dieu vous aide. Korabashai, Kerababababos. Mandela Gadova Antalya Mam Sogodovende Kondera Basaka Alibas Aliatata Aliam Zogondo Radala Bashike Rababus Kera Babababashai. Tu vas vivre Dieu autrement. Tu vas vivre Dieu autrement. Quelqu'un est fatigué de la prière du parvis. Quelqu'un est fatigué de la prière du parvis. Et veut entrer dans les saints, dans les saints, dans les saints des saints, dans les saints des saints. Tu es fatigué de prier dans les parvis. Tu es fatigué de prier dans les parvis. Tu as besoin de Dieu. Quitter les parvis. Entrer dans les saints, dans les saints, dans les saints, dans les saints des saints. Rencontre Dieu dans ta vie. Rencontre Dieu dans ta destinée. Sois accompagné du bonheur de la grâce. Sois accompagné de merveilles de l'éternel. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Korabashana Rabasai. Alla valibre de l'Evo Santolia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu.